Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, j'ai testé le setup le plus cher du monde qui coûtait 10 000 euros. Dans la vidéo, je vous avais dit qu'à 25 000 likes, je ferais l'inverse, c'est-à-dire que je laisserais le moins cher. Et bien, c'est chose faite. Vous en avez mis un peu plus de 30 000, du coup, on va le faire aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai commandé pas mal d'équipements, que ce soit des claviers, tapis de souris, écran, souris, bref, plein de choses. L'avantage de cette vidéo, c'est que ça va vraiment pas coûter cher. Comme d'hab, pensez bien au petit pouce bleu, abonnez-vous également si jamais vous êtes nouveau. Sur ce, je vous montre ce que j'ai acheté. Le premier clavier qu'on a testé, c'est celui-ci, noir et rouge. Ici, ils disent qu'apparemment, c'est un clavier gaming, branchable en USB, tout ça. Bref, la boîte est plutôt propre, ça va. À l'arrière, pareil, c'est juste explication. Ça a pas l'air d'être le pire, honnêtement. Ici, à ses caractéristiques, tu peux régler l'inclinaison. C'est un plug and play, donc t'as juste à le brancher et y a pas besoin de logiciel. Et il y a des touches anti-empreintes. Ok, bon, on verra bien. Le suivant, c'est celui-ci. C'est un pack qui contient un clavier et une souris. Je sais pas trop ce que ça va donner aussi. Il a l'air un petit peu plus beau esthétiquement quand même. Apparemment, les couleurs sont jolies. À l'arrière, pareil, des détails techniques. Pour la souris, tu peux régler les DPI. Elle est donc filaire. Le clavier est TKL, donc ça c'est bien, c'est que c'est un format réduit. Après, voilà, faut pas s'attendre à grand chose non plus. J'ai payé, je pense, le pack là, peut-être 5, 10 euros, je sais plus. Ça fait très longtemps que j'ai commandé tout ça. L'objet suivant est un peu plus imposant. C'est tout simplement ça. C'est un tapis de souris. J'ai pris vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Pareil, on va pas mettre des attentes trop hautes par rapport à ça. Mais là, je vous le dis, j'ai fait la totale dans cette vidéo. Et pour terminer, on a la grosse boîte là. C'est un écran. Je vous mets maintenant les références. En fait, je voulais prendre un écran qui est quand même abordable pour vous en termes de Hertz, genre qui va vous servir et en même temps qui est pas cher. Comme ça, peut-être que celui-là, vous pourrez l'acheter. En général, ce que je teste qui est pas cher, je vous dis de pas l'acheter, mais là, voilà. Ça vous servira. Bref, j'installe tout. On se retrouve juste après. C'est parti. Ça y est, c'est installé. Premier combo qu'on va tester, c'est le clavier mini bird plus le tapis de souris. Bon là je crois que vous le voyez pas trop parce qu'en gros c'est un énorme. Regardez là. En gros, ici il y a mon ancien tapis. Et là j'ai mis le nouveau par dessus. J'ai voulu prendre un large parce que je voulais pas avoir les mêmes galères que dans la vidéo précédente. Avec le petit tapis où ça débordait. Là au moins j'ai de l'espace. Allez, on va tester le clavier. J'ai peur. Oh là 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 là, ça a l'air d'être une de ces galères. Triple edit. Ok. Comment vous expliquer, le toucher est ultra particulier, j'ai l'impression que ça glisse. Un point très important également, après tu vas me dire vu le budget c'est peut-être normal, mais il n'y a pas... Merde, il n'y a pas d'antidérapant sous le clavier. Regardez, c'est-à-dire que là je suis tranquillement en train de jouer, mais le clavier il se balade sur le bureau. Donc ça c'est le premier défaut. Maintenant en termes de rapidité pure, en vrai de vrai, bon c'est vrai que c'est pas le plus fluide, tu vois, j'ai déjà testé des mieux, mais vu son prix ça passe. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement partir non pas en MM mais en arène pour le tester et voir si c'est possible oui ou non de faire top 1 avec. Monteur, téléporte-nous. Merci bien. Salut les losers. Je vais pas trop faire le mec moi. Comme d'hab, direction Grézy. Entre temps d'ailleurs j'ai installé l'écran. Alors bien sûr vous le voyez pas sur l'endgame parce qu'il est face à moi. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, les couleurs sont assez jolies. J'ai essayé de bien le paramétrer. On verra ce que ça donne. Je donnerai mon avis également. Est-ce qu'il y a du monde? La réponse est oui. Oh là 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 là, le nombre de grosses potes. Miam. Ce coffre, c'est le mien. Il y a mon nom dessus. Mais... Dégage! Il a voulu me piocher! Ok, c'est la merde. Oh, mais le clavier il bouge trop! Arrête! Reste là! On n'hésite pas à construire, les gars. Il faut vite du shield. Ok, c'est la merde. Et laisse-moi tranquille! Voilà, dégage. Alors qu'est-ce qu'on a de bien? Ah, pas grand chose. On va essayer de vite vite nettoyer la ville. J'entends que ça se bat à côté. Attends, mais il m'a fait peur lui. Oh là là, j'ai eu trop peur. Il est où l'autre? Crac, un HP. Tu dégages. Et il est mort, nickel. Faut vite que je me reshield en me tapant la grosse. Ah, c'est marrant, ça rigole bien. Grézy, c'est devenu tellement attractif. Il y a de plus en plus de monde. Oh, je l'ai vu, regardez. Il est crack. Hop, j'ai fait une Z-phare les gars, j'ai volé tout le stuff. On reprend le mur. Oh là là, je l'ai one shot. Le striker c'est une dinguerie. Blanc ou pas, il te met des patates de l'enfer. Par contre, je vais péter un câble. Le clavier ne bouge pas. Je vais essayer de mettre. Vous voyez les petits trucs là? On va voir si ça change un truc. Ok non, il bouge encore autant. Mais quelle idée j'ai eu de faire cette vidéo aussi. On rentre dans le bat. Mort. Il est crack. Et il est mort. On a déjà assez de kills, mais ça continue. Ça se bat par là. Oh, j'ai la hauteur. Il a pas l'air mauvais celui-là. On va tester un soul build. Hop. Eh, pas mal. Ah, c'est ma balle. Un mort. Il est encore. Mais laisse-moi, il marcelle. Je dois de l'argent ou quoi? Il est crack. Oh. Oh là là, ce chiton! Oh, ce qu'il a pris! C'est pas le monteur qui aurait fait ça, ça je vous l'assure! Comment ça, mon ref? Et merci pour le pompe violet. J'ai l'impression que c'est un peu la récompense d'avoir fait un spawn à 10 kills presque. Là, je suis content. Bref, et bah ce clavier, décidément, on l'a directement mis à rude épreuve. Hein. Niveau réactivité, ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire. Mais surtout, le plus problématique, c'est le fait qu'il n'ait pas d'antidérapant et donc il va faire que bouger comme ça. Peu importe comment je fais, ça ne marchera pas. C'est la plus grande galère. Après, est-ce qu'on peut en attendre plus d'un clavier si peu cher? En vrai, j'ai envie de te dire, bah c'est normal. T'imagines si un clavier si peu cher était parfait? Ça serait trop bien, mais bon. D'ailleurs, on m'a toujours dit une phrase, le monteur. On a le setup qu'on mérite. Vu que toi, t'es très nul, il te faut un clavier très nul.
nul. Donc si tu veux, tu me donnes ton adresse et je te l'envoie. C'est un bon deal, non? Les gars, depuis tout à l'heure, je cherche une voiture, mais j'avais oublié, il y en a plus en arène. Qu'est-ce que je suis bête. Ça, par contre, je trouve que c'est horrible. Alors c'est vrai que c'était assez problématique les voitures parce que ça te fonçait dans les construits et tout. Mais pourquoi les enlever au lieu de juste régler ce problème? Là, le jeu va être lent, t'as moins de rotation, on t'enchaîne moins les kills, etc. Les fights seront beaucoup plus espacés sur la game. Personnellement, je suis contre. Donnez-moi votre avis là-dessus. Oh, je l'ai vu. Je vais lui tirer dessus. Je sais pas où il a atterri. Ok, ils sont là-bas. Oh, le monteur. Je vais aller la chercher. Voilà, viens ici, toi. Ah, mais il y en a encore une là. Mais c'est parfait, je vais pouvoir m'en taper plusieurs à la fois. Nickel. Ça se bagarre violemment ici. Il est crack. Un HP. Et t'es mort. Tout le stuff est à moi, let's go. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets. Je sais pas où donner de la tête. Et bah là, mon stuff a bien glow, hein, parfait. Pour l'instant, ce qui me perturbe vraiment, je trouve que c'est l'écran. Moi, je suis habitué à jouer en 360 Hz. Et donc là, rétrogradé, c'est bizarre. Mais bon, je dis pas non plus que c'est injouable, ça va. La nouvelle zone va apparaître. Où est-elle? Elle est là-bas. Parfait. Elle a un peu plus de 300 mètres. Le temps d'y aller, je vais vous parler d'un truc super important. Il y a quelques jours, je regardais comme d'habitude les commentaires de mes dernières vidéos. Et j'ai vu ça. Alors je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça de ma vie. Et en fait, en me renseignant un peu, c'est des dons que tu peux faire dans les commentaires des vidéos YouTube. Ceux qui m'en ont fait, je vous en remercie, mais vraiment, ne le faites plus, les gars. J'en ai pas besoin. Je vis très très bien. J'ai de la chance maintenant grâce aux OP que je fais, etc. Gardez votre argent. Utilisez-le plutôt pour vous acheter des skins ou quoi que ce soit. Faites-vous plaisir, mais me faites pas de dons. J'ai regardé si je pouvais désactiver cette fonctionnalité. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, je sais bien, il y a quelqu'un qui a la solution. Dites-le moi. Parce que honnêtement, des dons sur les vidéos, j'en veux pas. À la limite, en stream, pourquoi pas. Mais des dons sur les vidéos, ouais, sans plus. Donc, merci à vous, les gars. Mais s'il vous plaît, ne m'en faites pas. Comment moi, je trouve une solution. Il y a des gens qui méritent beaucoup plus que moi. Bref, maintenant que ce petit message est passé, je peux enchaîner les kills. J'ai vu un mec juste là. Lui, je vais l'appeler Olivier. Ouais. Je suis Olivier de Carglass. Oh là là. Oh là là, il est crack, Olive. Le pauvre, il doit être en sueur là, Olivier. Il essaie de se battre et malheureusement, ça ne suffira pas. Voilà, il a juste mis une rampe. Même Martial aurait pu mieux faire. Je rigole, abusons pas. Par contre, je viens de dire que j'ai fait 11 kills et que j'ai pas un pad. Ça, j'apprécie vraiment à moitié. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Là, il y a un mec. Mais tu crois que je t'ai pas vu, toi? Il a pris l'auteur. On va monter. Faut que je reload quand même. Oh, le clavier, c'est horrible. Mais tu vas où, toi, comme ça? Il est crack. Je vais essayer de le cone. Il est dans mon cone. Et il est mort. Parfait. Il était chiant, celui-là, quand même. Le stuff un peu éclaté, mais bon. Après, vu ce que j'ai aussi, je dois pas m'attendre à grand-chose. Ça se bat par là, j'ai récupéré le top 10 en même temps, mais il y a moyen de faire une game de fou. Pour parler du tapis de souris, d'ailleurs, honnêtement, je ressens aucune différence avec mon autre tapis de souris qui m'a coûté presque 60 euros. Il y a moyen que je le garde, hein, je vous le dis très honnêtement. Il a pris moins 20. Je crois qu'il est dans son cone. Et il est mort. Là, il est plus dans son code, il est au lobby. Ah mais c'est bon, je prends la confiance au bout d'un moment. J'ai le mur. Raté ma balle, non? Il a pas l'air mauvais, lui. C'est quoi? Je reprends la hauteur. Triple edit, bam. Et où il est là-dedans? Non, il est là. 21 fois. Donc là, théoriquement, j'ai l'avantage d'HP. Il est crack. Je mets le cône pour l'empêcher de partir. Et là, faut vraiment que je retake le wall. Non, non, mais vas-y, au bout d'un moment, tu me fais chier. Oh! Oh là là, ce piece control. J'avais mis les murs pour le bloquer, parfait. Bon, eh bien, c'était mon 14e kill déjà. Je les ai pas vu passer. Je vois personne. Vous savez quoi? On va se faire une petite box. Et je vais en profiter pour vous parler d'un truc. Vous êtes très très nombreux à me demander quand est-ce que je vais reprendre des streams. Je vous ai déjà répondu à cette question. Pas tant que j'en ai pas l'envie. Eh bien, faut savoir que l'envie m'est revenue. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je stream, notamment le dimanche, sur Twitch. Je mettrai ma chaîne en description, c'est twitch.tv/oise. Dessus, je fais principalement du Fortnite, que ce soit en solo, avec Yo-Yo, pourquoi pas même des streams avec Zedfa. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. En fait, au début, je voulais pas trop en parler parce que je voulais être sûr de reprendre à fond avant vous en parler pour pas vous dire voilà je reprends et au final arrêter encore une fois. Là maintenant je suis sûr de moi. Qu'est-ce qui a changé en si peu de temps, vous allez me dire? Eh bien c'est simple, je ne vais pas m'imposer un haut rythme de stream. C'est-à-dire que je vais pas vous dire ouais je vais faire un stream par jour ou un stream tous les deux jours. Non, il y aura minimum un stream par semaine, principalement le week-end, donc soit le samedi soit le dimanche, et potentiellement des semaines où il y aura également un stream le mercredi après-midi. Voilà, ça sera donc entre 1 et 3 streams par semaine à peine. Moi au moins je suis sûr de tenir ce rythme, je suis sûr également de garder l'envie, et vous, eh bien vous aurez des lives. Voilà, je vous donne donc rendez-vous ce dimanche à 10h pour le prochain stream. Soyez nombreux les gars, vous allez découvrir un petit peu l'ambiance, etc. On pourra parler ensemble et tout, c'est vraiment super cool. Notez-les dans votre agenda, comme ça vous êtes sûr de pas le rater. Il y en a parmi vous, vous allez être content quand même, parce que le nombre de personnes qui m'en parlent, c'est ahurissant. Encore un pigeon. Non mais vas-y, ça bug trop. Allez, le monteur, écoute-moi bien. Si tu ne cutes pas ce moment, et bah je me taperai 10 grosses dans la prochaine vidéo. Quand tu tombes. Mais il fait quoi lui? Mais what the fuck, il voulait faire une skybase. Mais mon ref, t'es complètement bourré toi. Aïe. Oh, faut que je me heal. Premier fiche, deuxième fiche, la mini. Mais arrête, t'as un fou furieux. Laisse-moi respirer. Cone. C'est bon. Oh là là, mais c'est des malades. Les gars, j'ai eu 21 ans récemment, je suis encore plus vieux qu'avant. Mon petit cœur, il va lâcher un jour. Je suis en top 3, il y a moyen de valider une 19 kills. En vrai, de vrai, ça fait longtemps qu'on en a pas fait autant. On peut aussi récupérer la couronne. Voilà, le petit top 1. Zedfar pourra plus me vanner.
C'est bon. Oh, le pompe en or. On a récupéré un pad, on va le claquer. Où est le dernier joueur? Oh, il est là, je l'ai vu. Regardez-le, le filou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de monter. Mon gars, ça va? Oh, pas mal. Eh, je vais tenter un move, regardez. J'aurais pas dû. Oh, je suis trop bête. Ok, j'ai la hauteur, faut que je la garde. Faut absolument que je me mini. Faudrait que je lui tire dessus quand même. J'ai 43. Je crois que je l'ai bloqué en hors zone. Et c'est bon, 19ème kill. Premier top 1 validé. Alors pour l'écran, honnêtement, je me suis super bien habitué. Après, c'est normal, j'ai fait beaucoup de vidéos test d'écran. Le tapis de souris, il est excellent. Grosse surprise. Et le clavier, à part le fait qu'il dérape beaucoup et qu'il prenne énormément de place sur le bureau, il est quand même validé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que je branche le deuxième setup et on le teste. C'est parti. Setup suivant installé. Comme vous pouvez le voir déjà, il est beaucoup plus beau. Il y a du RGB. Là, tu te dis, ça y est, ça fait gamer, tu vois. Oh oh, j'ai pas d'armes, c'est la merde. Un mort, lui aussi en train de se barrer, il a pas d'arme. C'est bon, allez la Suisse. Mais non, allez la Belgique. Oh, il m'a fait peur. Oh, j'ai eu trop peur. On va essayer d'enchaîner, il y a du monde par là. Pour l'instant, regardez ce clavier les gars. Il faut vraiment que je le bouge moi-même avec mes doigts et tout. Il bouge pas de lui-même, donc les antidérapants sont déjà beaucoup plus efficaces. Toi, tu vas au lobby. Toi aussi, mais laissez-moi tranquille en fait. Il y a encore du monde là. Il a pris moins 50. Hop, boxé. On essaie de mettre le code, non. 46, blanc. Oh, mais je suis en train de le démarrer, lui. Oh là là, en tombant en plus. On va encore ressortir d'ici avec un max de kills, c'est trop bien. Par contre, je vous le dis, les sensations là sont trop trop bien. Le toucher est déjà beaucoup mieux. Là, c'est un clavier gamer, tu vois. Enfin, du coup, non, tu vois pas. Il y a plus personne. S'il y a quelqu'un, c'est le moment de parler. Hein. Oh. Oh, ok, c'est un sniper. Je peux pas rivaliser avec ça. Comment je peux faire pour le push, par contre? Je peux y aller en tyrolène, mais c'est risqué, quoi. Les cracks, 43 blancs. Oh, mais pourquoi il baisse? Autant on est sur une tour Eiffel hein. Bah attends, mais t'es un malade toi. Ok, faut que je recharge, faut que je me concentre. Il a un HP. Non, 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 ça non. Les gars, c'est pas ma faute, il y a eu un bug, je vous jure. Je pense qu'il est dans un arbre. Lequel? Moi je dirais lui. Nope. Ok, non, peut-être lui. Nope. Non, celui-là. Nope. Toujours pas, mais quoi? On m'a tiré dessus de là-bas. Mais il est blanc. Il est crack. Par contre, c'est pas le même skin que tout à l'heure hein. Oh là là, mais ce que t'as pris, The Mikey 945? C'est ce qu'on appelle une dinguerie dans le jargon. Dans le jargon, mais qui dit ça? En fait, je deviens vraiment vieux. À chaque fois, je rigole avec ça et tout, mais je commence à avoir des vraies expressions de boomer. Ça va pas. Bref, ça va, cette kill, c'est ok. Avant que j'oublie, je dois vous parler d'un truc. Récemment, j'ai lancé un nouveau compte TikTok. C'est wasth.spam. En gros, c'est simple, c'est un compte spam qui remet des extraits de mes vidéos. Donc ne vous inquiétez pas si vous le voyez dans vos pourtois. C'est bien moi, c'est pas un compte fake. Parce qu'à chaque fois, il y a des commentaires en mode ouais, non, c'est pas le vrai et tout. Si, si, les gars, c'est bien moi, ne vous inquiétez pas. Vous êtes pas obligé d'aller vous abonner parce qu'en soi, si vous regardez les deux YouTube, vous aurez pas besoin du TikTok, mais bon. Y a un mec qui vole. Il a pris moins 30, moins 60, moins 100. Il y a juste un petit bug sur l'affichage des dégâts, mais ne vous inquiétez pas. Je suis mon frère. C'est bien réel. Comment je fais pour être si nul? Je pense que c'est un problème de sensi, hein. Ok, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis caché. Il m'a cassé la gueule. Hagra. Mais quoi? Mais laissez-moi tranquille. Non, il a un HP. Vas-y, je vous jure, c'est du vol. Bref, ultime et dernière game maintenant. Dernière game, on est reparti à Greasy Groove. Je vais regarder ce qu'il a dans le ventre, ce clavier. Ok, premier kill. Attendez, mais j'ai déjà un loot de fou là. Il y a un mec là-dedans. Je vais pas faire de bruit. Il y a moyen que j'arrive dans son bac. Il sait pas que je suis là. Il croyait qu'il y avait un sous-sol. Hop, tu sors. En plus, c'est un frère, il m'a mis un baril. Oh, il y avait un mec là qui m'attendait. Crac. Oh là 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 là! Quoi mon gars, tu vas avoir mon nom sur ton front pendant des semaines, je t'ai chié dessus! Y'a plus personne, c'est bon? Non mais je vous le dis là, je distribue des cheatons encore une fois. Je kiffe le clavier par contre, c'est un truc de ouf! Mon Apex Pro il a du souci à se faire là, je suis en train de le tromper. Spawn un peu moins riche en kills, mais c'est pas grave, on se barre quand même avec 3 kills, un stuff ok tiers. C'est le moins bien des 3 malgré tout. Le temps dans leur zone, je vais répondre à la première question du jour, elle vient de FrazyxZZ. Déjà petit clavier pour les ZZ, ça te va bien. Est-ce que je compte faire des vlogs pendant mes vacances? Alors oui, c'est vrai que ça diminue d'ailleurs. Dans un petit peu plus d'un mois, on part en vacances avec Gio, le monteur donc, avec Yo-Yo, avec Martial, bref. Au début, personne croyait que je pouvais vivre de ça. Plein plein de gens, on a loué une villa de fou. D'ailleurs, vous savez quoi? Si à 15 000 pouces bleus, je mettrai un leak de la villa en story Insta, voilà. Comme ça, vous le savez. Mais bref, pour revenir à la question, non, je compte pas faire de vlog. La raison est simple, je ne montre pas ma tête. Les gars, je vais pas faire des vlogs en filmant mes pieds ou quoi, c'est nul, je trouve. Donc tant qu'il y a pas de facecam sur la chaîne, il y aura pas de vlog. Après, je ferme pas la porte pour les prochaines vacances, pourquoi pas, mais bon, ce sera pas celle-ci. Par contre, même s'il y aura pas de vlog, eh bien, il y aura des story Insta. On vous montrera un peu les activités qu'on fait, plein de choses comme ça. Je sais que vous aimez bien les inside de tout ça. Ça se passera sur mon compte Instagram wasth, je le mettrai en description. Allez lâcher un petit follow maintenant, comme ça vous êtes
tranquille, vous êtes sûr de ne pas les rater. J'espère que j'étais clair en tout cas et que tu as une réponse à ta question. Vu que je vois personne, on va enchaîner avec la deuxième question. Celle-ci nous vient de Benich. Il me demande, est-ce qu'il faut être forcément CS pour être un ZZ? Alors je pense que tu dis ça parce qu'en gros les ZFR, bah c'est ZFR et les manettes. Et moi les ZZ, je suis clavier souris. Mais non les gars, que vous soyez manette, mobile, switch, clavier souris, micro-ondes, tablette, iPad, peu importe, vous pouvez être ZZ. En fait, ZZ c'est pas une plateforme, c'est une institution les gars. Si vous êtes un winner et que vous voulez faire partie de la commu, bah vous mettez ZZ, peu importe votre plateforme. En 52. 65. Et il est mort. En vrai, entre les deux là, c'est-à-dire le striker blanc ou le tambour bleu, je vous jure le striker est meilleur. Faites-moi confiance. C'est le meilleur pompe du jeu actuellement. Par contre, c'est bien beau. Dernière game, je parle, mais il n'y a pas beaucoup de kills à faire. Faudrait que je trouve quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Notre prochaine cible est juste ici. Ah, il m'a cassé la gueule. Je suis obligé de claquer tout mon shield. Ah, on a tous les deux un HP. 90. Mort. Parfait. Ok, c'est le moment de vous faire une confidence. Je le fais souvent en vidéo et à chaque fois c'est que au montage parce que je parle pas. Mais je sais pas pourquoi mon délire c'est de toujours allumer un feu de camp quand je passe à côté. Même quand je suis full HP. Hein. T'es un mec bizarre toi. On a tous des délires bizarres comme ça. Aujourd'hui je vous en assume un. Maintenant vous allez vous aussi me dire en commentaire des trucs chelous que vous faites. Parce que c'est pas possible que je sois le seul. Par exemple, j'ai un de mes potes, lui ce qu'il fait c'est que les coffres il les casse à la pioche. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais c'est son délire. Au niveau du clavier, quelque chose que j'apprécie énormément également c'est la longueur du câble. Il est super long. Et vu que moi mon PC par exemple il est environ 1m50 du bureau, et bien c'est parfait. Très honnêtement, je m'attendais pas grand chose en achetant tout ça, mais pour l'instant que ce soit l'écran qui est ok, le tapis de souris qui est excellent et le clavier qui est vraiment bon, je suis très agréablement surpris. D'ailleurs pour être honnête avec vous, à la base je voulais vraiment tester un setup genre comme ça, vous voyez, le setup super vieux qui date de genre 15-20 ans. Moi perso j'ai connu ça quand j'étais vraiment enfant, c'est ma mère qui avait ça. Mais le problème c'est qu'en me renseignant sur internet, et eh bien c'est super dur à trouver de 1, et de 2 c'est super cher, ça coûte même plusieurs milliers d'euros. Donc ça me dérange pas de le faire, mais faut vraiment que vous soyez intéressé. On va dire qu'à 30 000 likes je testerai un setup comme ça, je ferai de mon max pour tout acheter. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est en train de se bagarrer là-dedans. Il est crack. Et il est mort, nickel. Oh il a fait un pompe violet. Oh je l'ai crack. Encore crack. On le spam, on va essayer de rentrer dans la box. Oh, encore un autre mec, mais non mais laissez-moi. Il est crack. Il est mort. Directement je me mets blander, ça c'est super important parce que dites-vous que vous allez vous faire spam. 145. Cone. Mort aussi. Oh c'était un bel enchaînement. Il y a encore un mec. Crack. Il y a un escalade dans sa box. Oh là là, c'était un beau shit on ça encore. Je vous jure ce clavier me rend surpuissant, je ne sais pas pourquoi. On claque un petit pad et ça va nous permettre de rejoindre le centre zone. Oh je l'ai vu. Alors toi tu vas passer un sale quart d'heure. Non me tire pas dessus. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais c'est un ZFR, c'est bon les gars, c'est tranquille. Regardez. Il a un HP. Non, il me l'a KS. 75. C'est bon, j'ai eu peur quand même. Par contre, là, l'écran, j'ai cru voir une petite coupure, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'était pas très fluide. Après, ça vient peut-être du jeu qui a bugué, je sais pas. Il y a un bonhomme en dessous. Voyez, l'angle glissant. Oh, le pauvre, il était débordé. Moins 16. Je vais pas te lâcher, hein, j'arrive. Hein. Il s'est pris pour une plante, les gars. Oh là là, aucun effort fourni. 0 sur 10 pour ce mec-là. C'est moi, il y a un mec là. Mais les gars, je tombe sur une plante, sur un bush, mais... à tout moment, il y en a un qui va se prendre pour un mur, hein. Oh, il y a encore un mec dans le bush. Non, là, c'est trop, je vous jure, c'est trop. Je savais pas qu'il y avait autant de ZDFR, par contre. Il y a encore des gens qui vont dire en commentaire, mais qu'est-ce que t'as contre les ZDFR? Tu t'acharnes sur eux. Les gars, c'est de l'humour, ZFR, il ferait pareil. Et le dernier est mort de la tempête, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Bon, bah, let's go. On retourne au lobby pour faire le débrief final. Maintenant que c'est terminé, on peut faire le point. Pour la première game, le clavier, je lui mettrai la note de 5 sur 10. C'était vraiment pas fou, il dérapait beaucoup trop. Le tapis, par contre, c'est 10 sur 10. L'écran, c'est un bon 8 sur 10 quand même. On va dire qu'il vaut son prix. Ensuite, pour le deuxième clavier, eh bien là, ce sera un 9,5 sur 10. En termes de rapport qualité-prix, c'était excellent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !